Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite de Mafia 3. On va directement parler à la voix de Del Rey. Et c'est vrai que Saul Lincoln, on n'a pas trop envie de le faire chier. En fait, c'est le Rambo, mais un Rambo d'1m90. Je peux te dire que c'est encore plus impressionnant, le mec. T'as pas envie trop de le taquiner, hein. Allez, voyons voir le monsieur. Lavo. Ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à devoir bosser avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence. Ça, c'est bien vrai, putain. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père, là. C'est ce connard de Merle Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel, et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je le mets dans la merde, il devra bien se montrer pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième. Elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elles lui rapportent un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que c'est fait. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Elis. Ils ont toujours été réglo avec moi. Eh oui, mais si on aurait accepté la proposition de Sal Marcano, peut-être qu'il ne serait pas mort. C'est ça aussi, on a peut-être commis une petite erreur. Alors, saboter les trafics. Chaque trafic a son point faible, si un trafic n'arrive plus à générer de profit, le boss de trafic devra se montrer au grand jour pour prendre les mesures nécessaires. Atteignez Merle en sabotant son réseau de prostitution à Del Rey. La première étape est de libérer les filles retenues en otage chez Drouet. Doucet. Oh, petit jeu de mots. Allez, on y va, on va directement prendre le bateau parce qu'il me semble qu'effectivement, voilà, on y a accès par cette voie-là. Eh bien écoute, allons-y. Petit trajet en bateau, dommage restant 15 000 $. Et c'est vrai que c'est comme ça que va s'articuler justement ce Mafia 3 au niveau des objectifs. Là, on va commencer par libérer des fils séquestrés. Après, on aura peut-être des caisses à casser, des trafics, etc. Bref, et à chaque fois, les objectifs vont se ressembler un petit peu, mais ce sera jamais exactement pareil. En fait, c'est ça que beaucoup de joueurs à la sortie ont critiqué, c'est un petit peu la répétitivité des objectifs. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un jeu qui a une narration vraiment bien foutue, vraiment intéressante. Et du coup, c'est entrecoupé comme ça de petite séquence où tu suis l'histoire, et je trouve que vraiment ça passe super bien. Je trouve que c'est un jeu, j'allais dire feel good. Non, c'est pas vraiment un jeu feel good parce qu'on parle en plus de sujets extrêmement sérieux comme le racisme. On en parle énormément et on le ressent à chaque coin de rue. Et non, vraiment, c'est un jeu très très intéressant. Je pense que vous l'avez ressenti dans les deux premières vidéos. Mais il y a quand même beaucoup de fun, il y a quand même beaucoup de passages où on peut se faire plaisir, on peut tirer sur plein de mecs de façon différente. Et ça va jouer aussi. Je pense que l'intérêt de ce jeu, c'est aussi sur l'évolution du personnage, sur justement les différentes armes qu'on va pouvoir avoir au fur et à mesure de l'aventure, nos améliorations, et ainsi de suite. Comme par exemple, tu vas dans les armes, regarde, tu as donc les armes, et aussi les améliorations dans chaque catégorie d'armes. Donc là, on le voit pas, parce qu'on l'a pas encore découvert dans le jeu, mais vous le verrez plus tard, effectivement, qu'on aura accès à des améliorations. Alors, salut ma petite beauté. Hey, Monsieur Lavo m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de merde sont partout. Merci pour le tuyau. Merci pour le tuyau. Alors, tir au ralenti. Donc ça, c'est un petit peu le côté Max Payne. Tir au ralenti désormais disponible. Cela permet de ralentir le temps en visant. Faites des tirs à la tête pour rallonger la jauge. Et vous allez voir que ça, c'est vraiment génial. Pour utiliser le tir au ralenti, une fois la jauge pleine, maintenir la gâchette de gauche et appuyer sur Y. Donc, comme ceci. Waouh, excellent. Donc, du coup, on va directement prendre le cadre. Voilà, le petit Vargas qui va bien, la petite peinture. Est-ce qu'on peut éventuellement passer par ici? Non, c'est bloqué. Ça commence bien. Oh, je vois un méchant. On va y aller en douceur pour commencer. Je vais rengainer mon arme. Viens par ici, toi. J'ai pas envie de me faire repérer. Salut. Allez, encore une fois, une élimination létale. On a le choix, je vous rappelle, dans les options du jeu, de choisir létal ou non létal. Mais moi, je trouve que ça rend bien comme ça. Hein. Ouais, là, on va s'approcher un petit peu. On va essayer de les avoir. On va y aller gentiment. Hein. Il me semble que les filles séquestrées sont à l'étage. Du coup, pour l'instant, on reste ici. On va se faire une petite place gentiment. On va siffler, remarque. Comme ça, au moins, ça va en attirer un ou deux. J'espère qu'il va venir tout seul, d'ailleurs. Parce que si l'autre continue à regarder... Ah, voilà, il se retourne. Génial. On a bien de la chance. Salut mon coco. J'espère que l'autre va pas se retourner. Eh ben non, c'est foutu. Voilà, super Galax. Allez, petit headshot qui va bien. Bravo Galax, en tout cas tu vas trop gérer. Allez, le headshot également. Très très bien. Mesdames, bonjour, bonjour. Désolé pour cette entrée fracassante. Je voulais vraiment y aller en infiltration, mais... Calme-toi. Attention là-haut aussi. Je l'ai pas tué? C'est une blague? Ok. Ils viennent tous sur moi, c'est pas cool. Il y en a un derrière, non? Non, non, il est en haut, c'est bon.
Lui, c'est pas un méchant. Ah merde, il y en a un carrément là-haut. Oh, j'ai plus de cover. Ça craint du boudin, les gars. Ça craint du boudin. Je me suis fait avoir. Je voulais y aller en discrétion, mais... voilà, c'est un petit peu raté. Qu'est-ce que j'ai comme arme? Ah, mais j'ai pas une seconde arme. Ah bah attends, je vais prendre deux pompes. Bah évidemment. Donne-moi le pompe. Avec plaisir. Arrangez-le, je vais leur faire la... de manière... Salut, toi. Je t'ai vu. Voilà, ça va bourriner à max maintenant que je me suis fait repérer. Putain, je voulais y aller en douceur. Ah, ça commence toujours comme ça, tu vois, ça commence gentiment, et puis au fur et à mesure, tu vois également que sur le radar, il y a des petits logos de dollars, donc ça, c'est de l'argent à récupérer un peu partout dans les bâtiments, et c'est utile, hein, parce que regarde, dégâts restants, 13 400, alors, il y a des manières, bien sûr, plus rapides de gagner des sous, ah, il y en a même dans les toilettes, incroyable, mais c'est vrai que autant les récupérer, comme ça, au moins, ça nous fait un petit peu d'argent, voilà, allez, on va progresser, donc les chambres, en plus, sont par ici. Voilà, les objectifs sont là. Je me méfie parce que peut-être qu'il y a des gars à proximité. Où ça? Effectivement, il y avait des gars, mais je les ai pas vus. Ah, je les vois pas du tout, je te jure. Où tu es, malade? J'en sais rien. Allez, enfoncez la porte. Ah bah attends, carrément. Vas-y, mon gars. Mon Dieu, ils allaient... Vous êtes libre. En sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur transpercé. Elle t'aidera. Je peux enfoncer toutes les portes, c'est plutôt cool. On peut se rendre à la boutique, le cœur transmet. La deuxième fille. Ah, par contre, la troisième porte, bizarrement, je vais pas l'enfoncer. Ça, c'est très bizarre. Allez. Enfonce-moi ça, mon cher. Enfin, ouvre-moi ça, du moins. Oh! C'est bon, je l'ai pas touché? Tu l'as tué. Bah oui, je l'ai tué. Tu devrais tous les tuer. Ah, tu me demandes de tous les tuer. Bah écoute, tu sais demander gentiment. De là. Moi, je veux bien. Ok, encore de l'argent en plus. En plus, elle me motive, hein, tu vois, forcément, je vais me faire plaisir. Alors, je vois qu'il y a une armoire pharmacie, voilà, très bien. Comme ça, au moins, ça nous met à 3 kits de soins. Comme ça, si on en a besoin, bah écoute, parfait. Oula, attention, on m'attendait. Saligo. Ok, ça c'est fait. Voilà, la puissance absolue, ça fait plaisir. Récupère juste un max d'argent, merci beaucoup. Voilà, quand c'est à proximité, moi je les récupère, hein. Tant qu'à faire. Nickel. Bon, je pense qu'il n'y a plus grand monde dans le bâtiment. Hein. Vu comme je les ai déglingués, à mon avis. Est-ce qu'on a quelque chose dans cette salle? Il y a de la musique, plutôt sympathique. Oh, un max d'argent, regarde-moi ça! Une pyramide d'argent. Ça fait toujours plaisir. Allez, on est à combien? 6 400 $ quand même. Hein. Ça monte, hein. Allez, plus que 4 050 $ et on est bon. Alors, parlez à Donovan. Attention, ça shoot en bas. Et j'ai plus de munitions de pompe. Ça c'est un petit peu relou, et je ne peux pas passer par là non plus. On va essayer de sortir du bâtiment gentiment. Ah bah attends, il y a une armoire avec... avec un pompe. Ah bah tiens, j'ai récupéré du coup des munitions de pompe. Génial. Moi j'ai aussi une petite mitraillette, mais on va rester comme ça pour l'instant. Hein. Allez, je vais pas chercher à tout récupérer, parce que sinon ça va prendre 20 ans, hein, je vous rassure. Oh, je l'ai vu le monsieur au fond. Ah d'accord, par contre je suis un petit peu loin effectivement pour essayer de l'atteindre. Donne-moi un coup de main. Ah, et les mecs en dessous aussi, attention. J'entendais un bruit. Et des mecs en dessous, c'est obligé. Oh, attention, toi. Hein. T'es pas passé loin de la catastrophe. Je sais pas sur qui il tire, hein, parce que bon, en tout cas, c'est pas sur moi. Hein. What the fuck, en plus, il est pas loin. Eh, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais rien, il tire sur des gens à l'extérieur. What the fuck? Complètement pété, celui-là. Ok, je vais rengueuler mon arme, parce que sinon, ils vont s'inquiéter, les gens. Je vais récupérer une voiture. Tiens, par exemple, celle-ci là-bas. Une petite voiture rose. La panthère rose. Ça peut être sympatoche. Et là donc on va parler simplement à Donovan. Voilà, on se prend pas la tête. Un témoin appelle la police. Oh bon non. Les témoins sont des civils qui n'hésiteront pas à appeler la police s'ils vous voient commettre un crime. Immobiliser un témoin à l'aide d'une neutralisation non létale et à l'abri du regard d'autres témoins ou de la police. Je pense que ça se fait automatiquement. Hein. Et arrêtez-vous madame. Madame, arrêtez-vous. Attends. Madame. N'appelez pas la police. Madame. Non. Taisez-vous. C'était pas loin. À mon avis, c'était pas loin. Si ça a pas déjà été fait. Non, c'est bon. Apparemment, c'est pas parti. Ouh, heureusement, mais en tout cas, c'était tendu, je pense. Hein. Allez, on va prendre la voiture et on va rejoindre notre cher ami Donovan. Le gilet pare-balles. Et je l'ai pas pris, il me semble. Oh, qu'est-ce que je suis con. Je vous jure qu'en plus, c'était un petit peu mon objectif. Ah mais oui, non, parce que l'autre, il m'a pris à partie et voilà, j'ai plus pensé à le récupérer. Ça permet d'avoir donc du coup, vous en doutez, une protection supplémentaire. Comme ça, avant qu'on te tire dessus de perdre de la vie, et ben forcément... Oh pardon monsieur, je vous ai écrasé un peu. Mais juste un peu. Et donc voilà, ça permet d'éviter de perdre de la vie trop rapidement. D'ailleurs, tu remarques que j'ai perdu déjà une barre. Et il faudra utiliser un kit de soins pour la retrouver entièrement, hein, la deuxième. Allez, très bien.
J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts. Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Ok. Parler à la voix de Delray de nouveau. Donc là, tu vois un petit aller-retour. Hop, hop, hop. Nouvel équipement acquis. Radio portable. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Alors, appelez les associés. Vous pouvez maintenant appeler vos associés grâce à la radio fournie par Donovan. Vous n'avez plus à attendre que le trafiquant d'armes se pointe. Vous pouvez l'appeler pour vous faire livrer les armes et l'équipement qu'il vous faut. Et ça, franchement, c'est trop bien. Ok. Donc, on maintient LB. Tu vois, donc on a l'accès, donc, la roue aux armes, mais également aux trafiquants d'armes, par exemple. Et on aura d'autres choses, effectivement, par la suite. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Tout ce que tu vois est avant. Et franchement, je trouve que ça, c'est une très très bonne idée. Et pareil, je pense que c'est une idée qui devrait prendre pour d'autres jeux. Alors, il y a déjà des locations de véhicules, je pense qu'on aura aussi dans ce jeu-là, plus tard dans l'aventure. Ça sera débloqué, je pense. Mais ça, c'est pas forcément dans tous les jeux. Voilà. Et au final, ce type de jeu, tu sais ce que ça me rappelle ? Un petit peu. Ça me rappelle un Just Cause avec une ambiance un peu mafia. Voilà. Et GTA. Lincoln, ça me fait plaisir. J'ai libéré ces femmes. Putain, j'ai rarement vu un endroit aussi glauque. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de pecnos sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Ok, oui, ça va faire mal. Alors traquez et éliminez les patrouilles des Dixies. J'adore tuer les Macs. Nouvelle tenue, vous avez débloqué une nouvelle tenue, ouais, je sais. Tableau objectif, vous avez maintenant de nombreux objectifs disponibles. Ok, donc ça, je sais que c'est sur la carte. Regardez, on peut voir ça directement par ici. C'est bien foutu, franchement, je trouve que les menus sont très jolis en plus. Alors, tuer les Macs de Merle. Et tu vois qu'on a deux cibles. Donc on va commencer par la première, la plus proche. Et puis ensuite, on fera l'autre. Voilà, voilà. Allez, tuer les Macs de Merle. Alors, on n'est pas obligé, pour info, de faire tous les objectifs d'une zone. Ça tient à être clair sur ce point. Mais bon... Disons que c'est bien parce que ça te fait un petit peu de tunas. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, on va dire. Zut, par contre, j'aurais dû faire une marche arrière. Bon, c'est pas grave. On va y aller de ce côté. De toute façon, c'est juste à côté, hein. C'est à 100 mètres. Pas de problème. Alors, parfois, c'est juste un mec à tuer. Et parfois, c'est une bande. Alors, évidemment, c'est plus simple quand c'est qu'un mec parce que tu prends un sniper et hop, c'est fini. Bon, au début, on n'a pas de snipe. Donc, c'est pas aussi simple. Ok, attention, il y a un mec qui est pas loin. Ouh, il m'a vu apparemment. Calme-toi, bijou. Apparemment, il va venir m'embêter, celui-ci. C'est pas vraiment ce que je veux. À la limite, ce qu'on pourrait faire, tu vois, c'est contourner juste aller s'occuper de la cible qui est juste derrière. Oh, je vais l'attendre. Allez, on l'attend. Il va arriver en espérant qu'il n'y ait pas de témoin. Parce que par contre, il y a un témoin à côté qui va dire « Ah, j'ai vu un mec se faire tuer. » Je savais que je trouverais rien. Ah, merde. Attends. Je m'en occupe. C'est bon, les autres vont marquer encore. Ok, ça roule ma poule. Ah, il y a un guetteur. Ah ouais, les guetteurs, c'est encore autre chose, les mecs. Les amis, le guetteur, c'est terrible parce que c'est ce qui va prévenir justement les autres ennemis. Oh putain, je l'avais pas vu sur le côté là. Je ne l'avais pas vu. Attends, je vais bouger un peu. Ouah, chou. J'ai pris des risques, je t'avoue. J'ai pris des gros gros risques là. Je suis un petit peu foufou. On va pas se mentir. Attends, je vais siffler. Je siffle, comme ça il m'a bien entendu et il va venir par là. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'autre... Il va pas nous voir vu qu'il est planqué. Là, tu sais quoi ce qu'on va faire? On va faire le tour. Non, il m'a vu! Non, je suis dégoûté! Je m'en occupe! Oui, oui, t'inquiète, je connais une localisation. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, le petit con qui va bien. Allez, je vais m'occuper de la cible, vite! La cible, voilà. Ça c'est fait, ciao bye! Attends, c'est un témoin ça? Ouais. Salaud! Même si t'es un innocent, t'es un enfoiré. Tu m'as dénoncé! Allez, c'est n'importe quoi. On se barre d'ici, parce que les renforts sont sur place. Et en plus, la police, ça se trouve, va débarquer. Ah, mais non! C'était pas un... Ah non, il a prévenu ses potes, en fait. C'était pas un innocent qui a prévenu les flics. Ah bah ça va, alors. J'ai pas tué un innocent. Alors, quand vous aurez fait suffisamment de dégâts pour réduire les gains de trafic à zéro, vous pourrez retourner voir votre contact pour en savoir plus sur le boss de trafic ou continuer à rechercher d'autres cibles. Ok. Vous avez complètement ravagé le réseau de prostitution de Merle et fait tomber ce dernier avec. Allez voir la voix de Delray qui a des infos pour vous aider à trouver Merle et à prendre le contrôle de ses trafics. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aller s'occuper de l'autre cible. D'ailleurs je pense que c'est ce qu'on va faire. On n'est pas obligé, hein. Mais regardez, par exemple, on va devoir attaquer Garde Delong, ou Delong,
alias le sale. Delon met les filles qui se sont barrées de chez Doucet sur le trottoir devant un motel à deux balles. Il les sauve, mais il les fait quand même bosser. Et tu vois, il y a toujours un petit peu d'histoire dans ces petites missions. Également, il y a une jauge de risque, une récompense. Enfin, il y a plus ou moins de récompenses selon les missions. Et il y a une histoire aussi de dégâts. Bah écoutez, on va le faire. C'est pas obligatoire, hein. Vraiment. Mais j'ai bien envie de le tenter et de tuer un maximum de Macs. Ah, parce qu'on est comme ça. Moi, je suis plus Windows. Oh, la blague de merde qu'on ressort à chaque fois. Bon, c'est un demi-kilomètre, ça va le faire. Toujours avec une bonne ambiance. Et comme je dis souvent, quand t'as une bonne ambiance, quand t'as la radio du jeu, ça change absolument tout. C'est comme un Forza, hein. Franchement, est-ce que tu me vois jouer? Est-ce que tu me vois faire des vidéos sur Forza Horizon sans les musiques? Ça n'a aucun sens. Enfin, on peut le faire, mais... Je sais pas, je trouve que ça manque d'ambiance, du coup. En tout cas, pour un let's play. Après, si tu parles technique, au niveau du jeu, ok, c'est autre chose. Allez, on est arrivé. Donc, voici le motel, hein. Voici le motel, je vois le mec. Et tu vois là, admettons, tu te mets en face, un peu plus loin, en hauteur, t'as un super snipe, tu le shoot, il est mort. Hein. C'est fini, quoique bon, ça a pas l'air forcément évident. Y a un guetteur. Ok, donc là on rentre dans un territoire ennemi. Ok, les guetteurs sont des ennemis chargés d'appeler des renforts. Ouais, je sais. Alors là, on va la voir tranquillement. Salut mon gars, Dodo. Voilà, directement, t'es celui qu'il faut absolument neutraliser en premier. Ça c'est clair. Il y a des mecs là-bas, des mecs qui s'amusent apparemment. Alors est-ce qu'on peut juste s'infiltrer, tu vois, sans tuer ses collègues? Est-ce qu'on peut juste s'infiltrer dans le bâtiment? Parce que voilà, les autres on s'en fout de les tuer. Ça va, je vous dérange pas trop les mecs? Cool. Ah ouais, on passe par là. On peut pas rentrer par ici, c'est un petit peu relou. Ah ouais, il y a des mecs là-haut, c'est quand même plutôt tendu. Mais je pense qu'on peut rentrer dans le bâtiment sans se faire remarquer. Je pense quand même que c'est possible. Faut juste savoir quelle porte s'ouvre. C'est juste ça. Nom de Dieu, attention, il y a un mec là aussi. Ah, faut peut-être monter par ici. Salut toi. Hey oh. Juste monter. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Un problème? Non mais oh, c'est quoi ce délire? Salut. Il a même pas tiré. Oh non, je suis trop bon. Je sais pas s'ils m'ont entendu du coup. Si si, ils ont été alertés. Si si, je crois bien. Je suis pas sûr et certain non plus, tu vois. Ah, si, si. Ok, super. Ah, si, ils m'ont entendu. Salut. Allez. D'accord, tu veux pas. Voilà. Désolé, mais tu m'as forcé. Je voulais juste te faire mal, te cogner. Et tu m'en as empêché. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin des toilettes. Où chez-vous? Le problème, c'est qu'elle a peur aussi. Ah, d'accord, il y a un mec en face, pile poil. Merde. Ah, mais attends, c'est un sniper? Mais oui, mon pote. C'est vrai que j'ai gardé un snipe. Salut! Oh là là, c'est tellement la classe! J'aime ce jeu. Ah, je vous le dis, je kiffe. Par contre, je vois qu'il y a des dollars à récupérer. Voilà. Ici même. Très très bien. Allez, là, il y a un fusil à pompe. Ouais, je préfère le fusil à pompe. En fait, j'ai échangé d'armes alors qu'à la base, j'avais un fusil à pompe, il me semble en plus. Hein. Alors, j'ai loupé quelques dollars, hein. Mais c'est pas grave. Attends, je vais les finir, les mecs. On sait jamais. Vous êtes où, les gars? Ah, là-haut! Y'a pas un escalier? Si, si, attends. Je vais même le faire, j'ai un peu pont, un petit shotgun des familles. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'il vient de descendre en plus ce trou du cul. Ah oui. Voilà. Ok, bah moi aussi je vais redescendre. Il doit rester un ou deux mecs. Ils sont où? Non, c'est bon. Ok. On peut récupérer aussi quelques dollars sur les mecs. Tant qu'à faire. Bon bah écoute, voilà, je peux rengainer. Et on retourne parler à la voix de Del Rey, on va changer de voiture. Ouais, parce qu'on est comme ça, nous on aime bien les changements. Ils sont où les mecs? Ah, voilà, il restait quelqu'un, il me semblait. Et annonce-toi un petit peu. T'es mort? Oui, c'est bon. Pas de témoin? Impeccable. Et ce que j'aime bien, regarde, c'est qu'il continue à souffrir au sol. C'est plutôt sympathique. Hein. Plutôt bien foutu. Attends, il y a un truc sur le capot. Des billets. Voilà. J'aime pas trop perdre des sous, moi, tu vois. Moi, je suis comme ça, je suis un capitaliste. Allons-y. Retour à la voix de Del Rey, qui est un petit peu voilà, le commanditaire, c'est celui qui nous donne les missions au fur et à mesure qu'il nous fait progresser dans l'acquisition, si j'ose dire, de chaque quartier. Et à chaque fois, évidemment, vous vous en doutez, ce sera une personne différente, hein, on n'aura jamais affaire à la même personne, c'est plutôt pas mal. Hey, tu vois aussi sur le radar, parfois tu passes dans des endroits où justement il y a des menaces et des méchants, tu peux t'en occuper, mais c'est pas obligatoire et tu gagnes rien, donc bon. On va pas le faire. On essaye de faire déjà un maximum de choses qui ne sont pas obligatoires. Comme là, je n'étais pas obligé de m'occuper de la cible, de la deuxième cible. D'ailleurs, vous remarquez qu'on n'a plus du tout de mission pour l'instant. Voilà, à part reparler au monsieur à la voix. Ça aurait été marrant que ce soit la voix de Secret. Mais bon,
La voix. J'ai pas du tout ce grain de voix. J'ai une voix qui est pas aiguë, hein. J'ai une voix plutôt grave. Mais pas très très grave non plus. Il y a des gens qui ont des voix beaucoup plus graves que la mienne, hein, je vous rassure. Même s'il y en a beaucoup qui me disent que j'ai une voix grave. Bon. Bof, moi je trouve que j'ai une voix classique, au final, à ce niveau. Lincoln. Alors, parler à la voix d'El Rey, si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevés seront supprimés. Bah de toute façon, on a tout fait. Merle se terre au père là. Pareil qu'il crève de rage. J'aimerais bien voir sa tronche à ce connard. Qu'on se mette bien d'accord, ok? Une fois que je suis dedans, je descends tous les connards qui se mettent sur ma route. Personne va pleurer pour ces salauds. Fais comme tu le sens. À la prochaine, Lavo. Merci, Lavo. Allez, tuez Merle Jackson. Ça va faire très très mal. Par contre, est-ce qu'il y a un rapport avec Michael? Non, parce que moi, je ne tue pas les Jackson, les vrais. Hein. Je suis un grand fan. Allez, retour chez les prostituées. Alors attends, est-ce que c'est une rampe, ça? Je voulais voir depuis tout à l'heure. Non, c'est pas une rampe. Je voulais voir, mais pas du tout. C'est pas une rampe, mais quel con. Mais je sais pas, ça avait un petit peu cette forme-là. Oh bah attends, je vais devoir prendre une autre bagnole. Je vais la piquer au monsieur. Ou alors non, je vais juste en prendre une autre. Allez, on va pas s'embêter quand même. Laissons les gens tranquilles, hein, ils n'ont rien demandé à personne. Voilà, je vais en... Enfin, remarque, tu me diras, le propriétaire de la voiture n'a pas demandé non plus à ce que je la vole. Mais bon, c'est comme ça. Oh, j'aurais plutôt pris les décapots. Pas grave. I got you. Pam 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 pam. So good. Alors là, je peux te dire que les copyrights, bonjour. Heureusement qu'on parle par-dessus. Appelez des associés. Vous pouvez maintenant appeler vos associés grâce à la radio fournie par Donovan. Oui. Je sais, non mais c'est bon, on sait. On connaît, merci beaucoup. Ah, il nous le re-indique, voilà, parce qu'on a sûrement besoin de munitions. Attends, je vais vérifier au niveau des mules, justement, comment on est. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi récupérer des grenades, des cocktails Molotov et tout. Niveau mules, on est comment? 10, 20, 3, 8. Ouais, ça va, non? Ça va, et puis j'ai envie vraiment de faire des économies. Hein. On est à 7 100 $. Faisons des économies. Oula, ils sont dangereux directement. On va essayer de passer par la gauche. Ah, tu vois, il y a un petit pistolet intéressant. Et si on essayait de passer sans se faire repérer, tu vois? Arriver tout là-haut sans se faire repérer, ce serait génial. On va essayer. Je me doute que c'est pas évident, par contre. Bon, et vous me connaissez. Dès qu'on se fera choper, ça va partir en steak. Il y a un mec... Ah, il est pas avec moi, lui, attends. Je vais me le faire gentiment. Parce que de toute façon, je pense que personne va me repérer ici. Par contre, s'il trouve les corps, à mon avis, ça pue duc, hein. Mais ouais. S'il trouve les corps, c'est pas bon, je pense. Ok. Alors, la cible, apparemment, vous voyez le petit logo par là-bas. Ça me fait penser un petit peu à Hitman. Les séquences d'infiltration dans ce Mafia 3. Franchement, j'adore. Je suis un grand fan. Et à ce qui paraît, les phases d'infiltration, au début, elles n'étaient pas super bien gérées. Hein. Ah merde, il y avait des mecs en face. Et voilà, nous sommes repérés. C'est la fin du game, comme dirait Cyril. C'est la fin du game. Venez pousser les hyènes. Ou un truc comme ça. Allez. Alors, derrière moi, putain. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Heureusement, je me suis soigné direct. Hein. Je me suis soigné direct, j'ai pas cherché. Oh, c'est chaud. Hein. Ah ouais, du coup, je me suis fait repérer, mec. Toi, je t'ai vu. J'arrive. Tu peux aller derrière lui. Ils sont plusieurs, hein, attention. Ils sont plusieurs. Ok. Voilà, ça c'est fait. On récupère le pompe. C'est énergique. Voilà. Arrête-toi, toi. Je crois qu'il est pas mort. Aïe, aïe, aïe. Là, il y est. C'est trop bien. Aïe. Quel con. Allez, encore un kit de soins. Il m'en reste plus qu'un. Je suis un peu un gros bourrin, là, je t'avoue. Je récupère des dollars par-ci, par-là. Comme dirait l'autre. Bababoum. Moi, je dirais plutôt bababoum. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un kit de soins là-bas. Par contre, je l'ai déjà pris. Est-ce qu'il y a encore, à ton avis? Oui. Yes. Donc, à chaque fois que tu rentres dans un endroit, les loots se renouvellent. Ça, c'est intéressant. Bon. Hein. Zobby. La patience, c'est... Voilà. Je cherche pas à comprendre. Maintenant qu'on s'est fait repérer de toute manière... Ah, quand? Alors là, par contre, j'essaie de prendre... Ah, non. Mais si, en fait, j'avais pris le contenu
J'avais pris le contenu du truc, c'était pas un gilet pare-balles. C'était un fusil à pompe. Alors, tuer des boss de trafic, voilà, c'est le premier boss qu'on va tuer dans le jeu. Neutraliser le boss de trafic pour en prendre le contrôle, puis contacter un de vos colonels qui enverra des renforts pour sécuriser les lieux. Tuer Merle Jackson, dit la gâchette, pour arrêter son trafic de prostitution. Ok, je t'écoute. C'est parti. Salut. T'as eu de la veine, mon bonhomme. C'est bon. Allez, je m'occupe de toi, mon grand. T'es mort. Avec Lincoln. Alors, tu vas faire quoi, le négro ? Ça. Ceci. Oh là là, c'est d'une violence. Peggy 18. Allez, réseau de prostitution sécurisé. Le premier réseau, on s'en est occupé et c'était tellement jouissif. Le nightclub Perla, donc on a gagné des Emmy. Alors on dit Zemi ou Zemi, vous me direz dans les commentaires, hein, je compte sur vous. Zemi Orland seront ajoutés à votre inventaire, donc c'est ce qui permet d'attirer, on va dire, l'attention des ennemis. C'est plutôt bien. Alors on va l'assigner à Cassandra parce que pour l'instant on n'a pas d'autres lieutenants. On verra par la suite hein, qui on aura. On a chassé ces enfoirés de Dixit chez Perla. Demande à tes hommes de boucler les lieux. S'occuper des lieux. Fais sortir ces fils de pute de Dixie retranchés dans l'église et Richie devra riposter. On en parle du câble qui passait dans le bureau ? Enfin, qui passe toujours dans le bureau d'ailleurs ? Un bug non corrigé ? Ouais, parce qu'à la sortie du jeu, c'est vrai qu'apparemment, il y avait énormément de bugs. Alors moi, je t'avoue, voilà, j'avais fait une découverte de 30 minutes, donc je peux pas... Je suis mal placé, voilà, pour juger le jeu, comment il était à la sortie. Par contre, je peux vous dire comment il est maintenant. Il y a vraiment quelques petits bugs, mais c'est mineur et c'est souvent visuel. Tu vois, même au niveau des textures, parfois, bon... En 1966, le FBI m'a recruté à la sortie de la fac. J'ai d'abord été affecté à Atlanta, puis on m'a transféré à New Bordeaux début 68. J'y suis resté jusqu'en 86, quand j'ai été promu directeur adjoint de la section crime organisé. Je suis resté au FBI jusqu'à ma retraite en 1999. On raconte énormément d'histoires sur Cassandra. Enfant, elle aurait été enlevée, tuée et ramenée à la vie par un prêtre vaudou. Elle aurait assisté au viol et au meurtre de sa sœur par des malfrats. Elle aurait abattu son propre père et abandonné son corps dans les marais. Bien sûr, impossible de démêler le vrai du faux. Eh ben dis donc. Et d'où la boutique vaudou d'ailleurs. D'accord. C'est bien parce que je trouve que les persos sont plutôt bien présentés dans le jeu. Bien mis en avant et tout ça. Alors, Zemi Orland, un outil de diversion à distance. C'est ce que j'ai dit. Hein. Attire des groupes d'ennemis vers elle, vous en avez reçu gratuitement, et pouvez en acheter au trafiquant d'armes. Lancez une Zemi Orland visée en maintenant RB pour lâcher. Ok, bon, on a compris, hein. Je n'arrive plus à lire, mais on a compris. Incroyable. Ah, je récupère les sous-sous. Alors, mission héros, attendez Donovan. Très bien. Alors, je vais commencer par sortir d'ici, hein. C'est un peu le but. Bonjour, bonjour, oui. J'aime quand on m'appelle monsieur. Tu vois, c'est toujours... toujours assez plaisant. Allez, on a un petit demi-kilomètre à faire. Avec notre petite voiture sympathique. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre comme musique ? J'ai de voir un petit peu les radios. D'ailleurs, je trouve que les musiques sont un petit peu trop fortes par rapport au... Ouais, par rapport au son du moteur. Mais légèrement, tu vois, mais c'est un peu dérangeant. Bah, remarque, je pourrais le baisser dans les options. Mais après, j'ai pas envie de baisser ça dans les options. Parce que ça correspond dans les options aux musiques. Or, après, pendant les cinématiques, ça va baisser aussi le son des musiques. Donc c'est pas terrible, tu vois. On peut pas baisser indépendamment le son des radios et des musiques du jeu, ce qui est con. Enfin bon. Pardon monsieur. Non, mais je peux pas vraiment être... Je peux pas avoir une conduite propre, c'est impossible. Pourtant j'essaye. Je m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie, là, c'est gérée ici, par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric. Et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. T'as juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs ? Juste ça.
C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est incroyable. Dans mon propre pays, bordel. Fois. Ah, l'espionnage, c'est mal. Alors, mettez l'église baptiste sur écoute. Dommage restant 20 000 dollars, pardon. Alors, pour mettre les trafics sur écoute téléphonique, forcez les boîtiers de raccordement que vous trouverez partout en ville. Mettre les trafics sur écoute permettra à Donovan d'indiquer sur votre carte les cibles importantes et les éléments à collectionner. Indiquez les ennemis inconnus via le repérage et vous aider à recruter des boss de trafic. Ah oui, c'est important quand même, hein. Bah ouais. Allez, ce sera plus simple pour nous ensuite. On aura plus d'infos. Très très bien. Et surtout, voilà, si les mecs sont marqués, c'est plus simple pour aborder les différentes actions, les différentes attaques. Alors, écoute de trafic. L'écoute téléphonique permet de révéler la position des ennemis sur la mini-carte, indiquer des cibles importantes et des éléments à collectionner. Oui, c'est chiant. Et vous permet de recruter des boss du trafic pour toucher plus de revenus. Lorsqu'une partie précise de la ville est mise sur écoute, il est possible de voir les ennemis au coin des rues et même à travers les murs grâce au repérage, voir les trafics mis sur écoute, ouvrir la carte, pour installer un dispositif de mise sur écoute sur un boîtier de raccordement, vous aurez besoin de fusibles TL-49. Donc c'est d'accord, les petits logos verts qu'on voit. Récupérez ces fusibles éparpillés dans New Bordeaux. D'accord. Du coup, interrogez les dealers de Charlie. Dommage restant 20 000. Oh, elle me fait de l'œil, cette petite décapotable. Sans te mentir. Ok, oui. Et tu vois, regarde ce GPS intégré, on va dire, au bord des routes. Je trouve ça génial. Comme là, t'as le petit panneau rouge avec un sens, bah, fait demi-tour, quoi. C'est trop, trop bien. Franchement, je trouve que le jeu est vraiment agréable à jouer. Et je suis tellement surpris de voir des personnes, alors pas spécialement dans les commentaires des vidéos Mafia 3, mais dans l'onglet communauté, voilà, quand j'ai annoncé que j'allais faire le Mafia 3, j'ai vu des gens qui ont dit, mais tu verras, c'est un jeu de merde, il est nul et tout. Et je comprends pas. Franchement, mais rejouez-y aujourd'hui, hein, parce que, effectivement, peut-être que c'était un étron puant à la sortie, hein, je sais pas, mais... En tout cas, j'en avais entendu parler, mais... Vraiment, maintenant, putain, je m'éclate, quoi. Mais vraiment, hein. Ok. Alors, bah après, faut aimer les jeux type... En fait, c'est con, mais faut aimer les jeux type Far Cry et tout, parce que moi, ça m'y fait penser, hein, Just Cause, Far Cry, avec une ambiance un peu plus adulte aussi, peut-être. Alors, faut interroger ce mec, le problème, c'est que... Ils ont l'air... Si je siffle, est-ce que ça les attire? Ouais, alors je peux pas le tuer directement. Hein. Attends, ils sont que 3? À la limite, bah les couilles. Alors attends, interrogez les informateurs pour découvrir les points faibles des trafics et de leurs chefs, pour les faire crasher, séparer-les de leurs équipes. S'ils sont en voiture, entrez-y de force et conduisez comme un taré. Ah! Après avoir interrogé un informateur, vous pouvez soit le tuer et gagner un peu d'argent, soit le recruter et augmenter les revenus à un trafic une fois que vous en avez pris le contrôle. Intéressant ça. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut utiliser ça. Attends, je suis con. On va utiliser notre nouveau gadget. Bah ouais, soyons pas bêtes. On va essayer de disperser un petit peu les foules. Et j'ai récupéré des cocktails aussi. Ouais, faut que j'y pense. Attends, je vais essayer de l'envoyer ici. Non, plutôt là-bas, tiens, histoire de les disperser. Hop là. Donc en fait, c'est une poupée vaudou. Hein. T'as bien compris. Hein. Ça va les disperser, ça c'est sûr. Ouais, le mec... On sait toujours pas d'où vient ce bruit. Non, tu sais pas d'où vient ce bruit? Bah cherche. Ouais, alors ça l'a dispersé lui là-bas déjà, mais pas terrible. Pas suffisamment en tout cas. Ah, attends. Ah, il va parler avec son pote, ça me fait pas plaisir. Attends, je l'ai amené là-bas. Tu l'as entendu là? Dis-moi pas que tu l'as pas entendu, gros. Abusez pas les mecs. Ah bah d'accord, ils y vont tous les trois. Mais c'est craignos. Bon, il va falloir apprendre à gérer ce gadget, hein. C'est pas évident. Bon alors attends, au pire. Merde, non. C'est pas ça que je voulais faire. Quand on sait pas comment faire, solution forte. Attends un peu. Il se casse? Ah ouais, il se casse. Hé, poteau. Calme-toi. Attends, je m'occupais de l'autre avant. C'est bon, t'es au sol? Super. Voilà. Oh, le headshot. Là maintenant, je peux l'interroger gentiment. Parfait. Dis-moi tout. Il trafique quoi à l'église 4-toi? Y'a plein de cam à l'église. Si tu fais tout péter, le patron va s'asseoir sur un paquet de fric. Eh ben écoute, je vais le recruter. Tu roules pour moi maintenant. Mais comme il le tape. Et t'es sûr que tu l'as pas tué? Oh la vache, cette violence.
Ah mais c'est Lincoln, hein. Ça change de Vito, hein. Alors attends, je vois qu'il y a un truc à récupérer. Je vais vite faire récupérer la pièce électronique, là. Après, ça me servira à mettre sous écoute. Super. Je récupère votre cache, monsieur, merci beaucoup. Détruisez l'héroïne de Charlie. Avec plaisir. On reprend la voiture. Et voyez un petit peu comment va se composer, du coup, l'aventure. On va avoir plusieurs objectifs à chaque fois sur la carte. Là, pour l'instant, on n'a qu'un seul. Mais logiquement, plus tard, on aura vraiment plein de partout qui seront donc dispersés sur la carte. Et à chaque fois, il faudra retourner voir effectivement celui qui vous donne la mission. Et je trouve que le principe de fonctionnement du jeu est vraiment très très bon. Bien évidemment qu'il y a un côté répétitif. Je vais pas faire l'ignorant. Évidemment qu'il y a un côté répétitif. Mais est-ce que c'est pas un petit peu comme un Far Cry, justement? Il y a quand même une évolution de personnage. On a quand même à chaque fois de la variété avec de nouvelles caractéristiques et ainsi de suite. Ce qui compense effectivement, je trouve en tout cas, cette certaine répétitivité et qui fait que moi perso, je m'ennuie pas. Vraiment. Alors, par contre, tiens, si on peut aller récupérer le gilet, ça me ferait plaisir. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut aller un peu plus loin et il y aura forcément les mecs. Détruisez l'héroïne de Charlie. Donc là, tu vois, c'est la destruction. Le guetteur. Approche à couvert. Grâce à l'approche à couvert, vous pouvez facilement passer derrière les lignes ennemies avant de foncer tête baissée. Utilisez le repérage pour repérer les ennemis et les points d'intérêt. Bon, ça, j'avais compris, merci. Ah oui, c'est vrai. Là, je peux passer ici, par exemple, siffler. Et il va venir me voir. Très très bien, c'est la bonne solution, ça. Logiquement, les mecs du fond ne me remarquent pas. Alors, attends, au pire, on peut l'avoir un peu plus là. Voilà. Et là, on se fait. Bon, au pire, non, on est quand même visible. Mais ils ont rien vu. C'est bon, ils bougent pas, ils sont un peu trop loin. Là, je vois qu'il y a des munitions. Et le gilet pare-balles. Ça, c'est important. Alors, j'ai ma santé à fond. Hein. Alors, c'est la veste tactique, hein. C'est pas un gilet pare-balles, mais c'est pareil hein, pour moi. Ok, donne-moi ça. J'ai toujours un bon petit fusil à pompe. Alors, pour info, dès que tu cours, dès que tu décides de recourir, eh ben, tu n'es plus accroupi. Hein. Faut se méfier de ça aussi. On va récupérer également un petit kit. Donc, le guetteur, on l'a tué, du coup, il n'avertira pas forcément les renforts. Donc, important quand tu arrives justement dans ce style de situation, de d'abord déglinguer le guetteur et après le reste, tu t'en fous un petit peu, quoi. Félicitations. Bon, attention par contre, parce qu'il peut y avoir plusieurs guetteurs, forcément. Il y a un mec là-bas aussi. Ouais, ça va pas être évident d'y aller en discrétion, hein. Ça va quand même pas être facile. Allez, c'est bon, on va être repéré. C'est pas grave. J'ai tué le guetteur, très logiquement. Je rentre vite! Dépêche-toi! Casse-moi ça. Oh merde, faut péter la porte. Ah bah attends, on le fera après. On va d'abord tuer les mecs. Je prends le peupon! Salut toi! J'ai quelque chose. Allez, headshot. Ah, j'ai vu le mec sur le côté. Salut! Oh, c'est trop super génial! Il y a un mec derrière aussi. Donc là, tu vois également sur le radar ce qu'il faut péter. Ok, attends. Ouais, on va repasser sur le gun. Vas-y, viens par là, toi. Oh! Ah, il m'envoie un cocktail Molotov. J'ai pas vraiment apprécié. Je vais pas te mentir. Oula! Ok. Ça c'est fait. Côté. J'ai pas encore une super précision avec mon arme. Je vous rassure, ça on va le booster au fur et à mesure aussi. Allez! Oh, y a une telle violence dans les tirs! Et puis il y a une jouissance aussi, tu vois. Il y a une jouissance dans les fusillades, il y a un rythme. Qui n'est pas forcément dans beaucoup de jeux, je trouve. Oui, oui, je sais, je suis en train de valoriser le jeu. Je sais que certains vont me dire, ouais, mais non, moi j'aime pas. Bah écoute, chacun son truc, hein. Mais moi, quand je suis positif sur un jeu, bah je le pense vraiment, hein, les amis. Hein. Je dirais pas que c'est bien si je trouve pas le jeu bien, tout simplement. Allez, on va ouvrir ça. Hop là. Et là, on va tout péter. On va détruire son héroïne. Alors, les cibles importantes sont des personnes ou des opérations qui rapportent gros. Éliminez-les pour mettre à mal un réseau de trafic. Ces cibles sont indiquées sur votre mini-carte par l'icône correspondant au trafic. Chaque cible importante contient des informations sur sa difficulté, la quantité de dégâts infligés au réseau et l'argent que vous pouvez y récupérer. Consultez la cible sur la carte pour vérifier ses risques et récompenses. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré justement tout à l'heure. Et là, regardez, on va devoir détruire tout ceci. Voilà. Plus d'héroïne. Fini la cam. Ouais, c'est de la merde. Pas bon pour la santé. Bah alors. Pardon. Bah alors. Attention, voilà. Ça c'est fait. Il y a quelque
Bon, je pense qu'il y avait qu'un seul mec, hein. Ouais, je suppose, parce que j'ai tué tout le reste, hein. Donc, pas de soucis. Je maîtrise totalement la situation. Comme dirait Pierre Richard dans La Chèvre, j'ai le contrôle total. Je sais plus ce que c'est exactement. Ah, ce film, il est excellent. Alors, je vais casser également cette caisse. Et comme ça, ce sera fait, tout sera pété. Voilà. Interroger les dealers de Charlie. Alors, avec plaisir, mais juste, il y a encore des dollars à récup. Et également, tu vois un truc à collectionner dans la pièce à côté. Ah, tu vois, là, on a des munitions en plus si besoin. Une autre arme. Mais vraiment, je garde le pont parce que je commence à m'y habituer vraiment. Oh, tu veux jouer aux fléchettes? Regarde, il y a un petit jeu de fléchettes. Bon, il y a des balles autour, hein. Ils ont pas joué qu'aux fléchettes, là. Alors, ouais, il y a aussi du cash. Il nous reste combien à déglinguer? Attends, petite expérience. Si on casse la fenêtre, elle se brise pas? Parce que j'aurais voulu voir si on pouvait passer à travers. J'ai pas l'impression. Un peu de dommage, quand même. Allez, je rengaine tout. De toute façon, je pense qu'on a eu tout le monde. C'est à combien, 425 mètres? Ok, je vais récupérer la bagnole. Oh, tiens, si on prenait celle-là. Allez, histoire de changer un petit peu. C'est un autre style. Ouais, c'est différent. Bon, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que personne ne peut me remarquer. Hein. J'étais dans la résidence, si j'ose dire. Bon, remarque, la décapotable, elle était bien. Hein. Et puis celle-là, elle va se traîner un peu, non? Ah, ça risque. Attends, change de radio parce que je joue de la musique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un peu d'ambiance. Et donc maintenant, ouais, faut interroger les dealers. Et donc voilà, plusieurs missions qui vont varier comme ça. Parfois c'est des cibles, parfois il faut interroger, parfois... voilà, il faut péter des choses, bref. Et c'est comme ça, un petit peu tout le long du jeu, mais je vous rassure, avec toujours une narration, des cinématiques et un intérêt tout le temps. Moi, je teste les jeux où il n'y a aucun intérêt. Tu vois, là, il y a toujours un intérêt. Parfois aussi, il faut braquer les magasins, il me semble. Faut s'occuper de péter les magasins. Alors lui, il faut que j'interroge. Il a de sacrées couilles. J'avais pas fait gaffe. Attends, je vais siffler. Je vais l'amener. Ah, il arrive, bah parfait. Si je peux l'interroger à l'extérieur, ni vu ni connu, je t'embrouille. Moi, je vote pour. Salut toi. Viens par là. Non, non, attends. Les autres vont m'emmerder là. Voilà. Un témoin appelle la police, mais non. Qui appelle la police? Qui ose appeler la police? Attendez. J'ai besoin de la police. Dépêchez. Non. Ah, un autre témoin! Non! C'est la galère! C'est bon? Ah, ils ont pas eu le temps. Mais non, il y en a un autre! Madame! Mais vous aussi! Mais putain, mort de Charlot, arrêtez! Je vais devoir tous vous tuer! Mais c'est impossible! Mais quelle bande de cons! Ok, allez! Oh, mais c'est pas vrai! Je voulais pas tuer des innocents, mais bon. Tu vas me parler du trafic de dope! Les hommes de main du patron font du deal à Delray. Allez, bah, je vais le recruter. C'est à moi, tu dois des comptes. Ça, c'est fait. Tuer les hommes de main de Charlie. D'accord, Duke Marchetti alias la hachette. Génial. Et j'aime bien parce que tu vois, même les cibles, on va dire, qui sont pas hyper importantes, parce qu'il y aura plein de cibles hein, pendant le jeu, plein de gens à tuer. Même les cibles pas hyper importantes, et ben je trouve que ils y ont apporté un certain soin quand même. Vraiment, ils y ont mis un petit nom, un petit truc sympa. Non, franchement, bien. Allez, je récupère la voiture, on va le déglinguer. Enfin, on va tuer du moins ces hommes de main. Donc là, je suppose qu'ils sont plusieurs, hein, ils sont en groupe. Hein. Vu que c'est ces hommes de main. Hein. Allons-y. Doug Marchetti. Ah, je vois qu'il y a un truc à pirater là. Ah, je m'approche un peu trop peut-être. Attends. Il m'a traité de grosse merde. Apparemment, il est parti, mais ils savent que c'est moi donc. J'en sais rien. Ah, attends, dans le doute, je vais me les faire. Le problème, c'est qu'ils sont pas... Je vais leur lancer, justement... Ah non, j'en ai plus. Ah, j'aurais dû en racheter, putain. Tout le monde à terre. Il a une bon, c'est ce qu'on va faire. Pardon, c'est moi. On va essayer de contourner, de s'occuper juste de la cible, hein, parce que sinon, ça va être relou. Quoique, il y a des trucs à péter. De toute façon, on va pas avoir le choix. Il arrive, lui? Ouais, c'est intéressant. Ouais, attends, je vais me le faire. Il était là, il y a pas une minute. Donc, il m'avait bien vu, ce con. Allez, alors, approche-toi, mon gars, approche-toi. Ah, t'as bien raison. Pardon, c'est moi. Salut toi. Ça roule? Allez. Ça c'est fait. Remarque, si, il vaut mieux se les faire parce que... Tu n'as rien vu toi? Non, c'est bon. Gentil garçon. Alors, territoire ennemi. Un territoire ennemi est un territoire sous contrôle d'opérations criminelles. Les gars sur place n'apprécient pas les visites opportunes. Moi j'aime bien. Abusez de leur hospitalité et ils ouvriront le feu. D'accord. Je sais pas s'il y en a d'autres de l'autre côté. J'en sais rien du tout.
Bon allez, on tente quand même. Soyons foutus. Pas de témoin. Oh, il y a un mec dans son canapé là. Salut. Oh là là. C'est trop bien. C'est violent aussi. Hein. Alors faut qu'on pète cette caisse. Ouais. Est-ce que j'ai du bruit quand je fais ça? J'en sais rien. J'ai pas l'impression, hein. Il remarque pas. 1000$. La cible est dans la cabane. 500. Salut toi. Voilà. Tué en manipulant ces dollars. Génial. Ça c'est fait. Dégâts terminés. Bon, je vais quand même péter le reste des caisses. Je pense que ça rapporte encore un peu plus de sous. C'est pas plus mal. Et là, il faut retourner parler à Donovan. Attends, je vais quand même finir le boulot, non? Allez. On va quand même finir le travail. Voilà. Ça, c'est fait. C'est parfait. Allez, bon, je vais récupérer ma voiture par contre qui est de l'autre côté. Ça s'est très très bien passé, je suis content. Du sang. Et j'aime bien aussi parce que tu vois, c'est vivant, t'as les autres gens qui s'affolent. Alors, ils vont pas tous forcément à un téléphone, tu vois, pour avertir les forces de l'ordre, hein, mais quand même, il y a vraiment de la vie et ils s'inquiètent. Et c'est bien. Allons-y. Oh, c'est vite fait, cette petite mission. Bah ouais. Alors, pour info, c'est vite fait, mais à la longue, ça peut paraître très long. Donc, du coup, ce que je ferais, peut-être que là, je vous les laisse, vu que c'est le premier épisode où justement, il y a le contrôle des quartiers. Mais au fur et à mesure, peut-être que je vous mettrai vraiment que les choses les plus importantes et intéressantes. Voilà, ça tient à le préciser quand même, parce que certains vont me dire, ouais, mais Galax, tu vas voir, c'est un peu toujours les mêmes objectifs. Si c'est effectivement le cas, vous en faites pas, il y aura du montage. Et de toute manière, la série reste tout à fait agréable. Oh, tu vois, il y a une zone vachement protégée à gauche, là. Osef, on n'est pas là pour ça. Donc attends, refuser, qu'est-ce que je pouvais faire encore? Ah ouais, mais c'est ça? Sûrement. Bon, oh, c'est pas grave, on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Allez, on accepte. J'ai écouté le vieux Charlie, et c'est pas un mauvais bougre. C'est un brave pécor. Sa femme est enceinte. Va savoir par quel miracle. Un homme dans sa situation se fout de savoir pour qui il bosse. Du moment qu'on le laisse vivre. Pauvre bougre, chouine quand il commence à parler des noms. Pour l'instant, c'est entre Bossefus et Thomas Lee. Enfin bref, ces gars ont bouclé l'église et pour la plupart, ils sont du genre cutéreux qui tirent avant de poser des questions. Mets la main sur Charlie et il fera ce qu'on lui dit de faire sans brancher. J'ai mis à jour toutes tes infos. Tu retournes au motel? Dès que j'aurai mangé un morceau. On se voit quand on aura terminé avec ces connards de consanguins. C'est d'accord, mon Donovan. Pas de soucis. Là, on arrive à cette magnifique église. Ouais. Ah, souvent, il y a ces petites séquences, tu vois, où on voit nos forces, les forces en tout cas de différents lieutenants qui prennent possession. Ça, c'est le contrôle des quartiers. Alors, le principal atout d'un boss de trafic, c'est ses hommes de main. Bah, j'ai compris. Tuez-les pour faire perdre le contrôle de son trafic. J'ai pas eu le temps de lire! Alors, n'oublions pas qu'un peu plus tôt, vous avez mis l'église et son trafic d'héroïne sur écoute. Grâce à ça, vous aurez le choix entre tuer le boss de trafic pour vous faire de l'argent rapidement ou le recruter pour accroître les gains du trafic sur le long terme. Ouais. Et donc, je disais, tuez-les pour faire perdre le contrôle de son trafic à un boss. Tuer tout homme de main laissé en vie et restera aux côtés de son boss pour le protéger. Ah, d'accord. Mais j'aurais dû le déglinguer. Eh ben allez, on va le déglinguer. Alors, affronter Charlie, 4 doigts, Kincaid. Alors, est-ce que c'est... Bah, c'est juste là. Allez. Eh ben, allons-y. Nouvelle cible. On va se le faire. Il y a l'air d'avoir du pipeau, là. On va pas se mentir. Je sais pas s'ils vont m'attaquer, les mecs qui sont là. Est-ce que j'ai suffisamment de cartouches? Ouais, ça va. Ça roule. Par contre, j'ai pas récupéré de... Oh, c'est pas grave. Est-ce que tu penses vraiment que c'est un problème? Ah, t'as vu, on peut passer par derrière. J'y suis allé vraiment à l'improviste, mais ça se trouve, c'était là... Le meilleur moyen, à voir. Oh la vache, il y a un guetteur et tout. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, il y a les petits pics, j'ai pas envie de me piquer le cul, moi, tu comprends? Du coup, ouais, non, on va essayer de trouver un moyen d'entrer par là. On peut pas rentrer, là? Non. Dommage. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer par là. Y a pas une échelle, là? Oh, bah attends, on peut passer là-haut? Mais tellement! C'est fait exprès, ou comment ça se passe? C'est dommage que j'ai pas un sniper, hein. Oh là là, ça aurait été excellent. Je t'avoue que là, ça m'aurait fait très très plaisir. Et ce qu'il y a bien aussi, c'est qu'on a le choix de l'approche. Ça, c'est cool. Il y a le guetteur qui est là. Ah oui, c'est un poste de sniper, ils te le disent en plus. Mais excellent, mec. Attends, je vais passer par là. Par le toit de la maison. On va essayer de faire ça proprement, hein. Évidemment, pour l'instant, aucun témoin, personne ne nous remarque.
Et donc ils sont juste en dessous. Excellent. On va redescendre là. Oh mais c'est trop bien. J'adore. Ok. On y est presque. La cible est là. Bon, il me suffit de tuer les deux mecs et lui avec. Oh non, il y a des pics. Comment je fais pour remonter? Ah, ça fait yesh. Ah, je peux pas monter là. Putain. Ah, je suis dégoûté. Comment je vais faire du coup? Ah, je suis bête. Attends, je vais faire le tour pour voir est-ce qu'on peut. Non, parce qu'après tu repasses par la flotte. Attends, je regarde en espérant qu'il n'y ait pas de croco. Ouais, si c'est bon, c'était par là. Hein. Ok. Bah ouais, si vous êtes contourné. On a rien là-dedans? Non. Maintenant, la maison. Bah, elle est longue, cette maison. Oh merde fois, oh merde. Ça passera plus vite. Attends, je vais siffler. Je vais en attirer un ou deux, là. Venez par ici. Ce serait bien de tuer le guetteur. Eh, il s'en bat les couilles. D'accord. Tu m'en diras tant. Attends, je vais re-siffler. En cachant que tu vas sauver tes miches. Aïe, aïe, aïe. Oh non, ils viennent à deux. Ah, oh, je suis deg. Ah merde. Voilà, je suis repéré, les gars. Bordel de merde. Non. Guetteur alerté. Ça pue, le mec. Ça pue grave. Ok, soin, vite. Non, toi, tu meurs. Non. Putain. Non. C'est bon. Je pense qu'il a pas eu le temps d'appeler. Je suis pas sûr, mais il me semble. On va vite le voir. Oh la panique là. Ok. Voilà, ça aussi c'est des costauds. Les mecs à l'intérieur, attention. La cible est là. C'est bon. Ah mais c'était pas la cible là, je suis con. Ok, bien joué derrière moi. Wouhou. Énorme. Un autre qui arrive. C'est tellement excellent, les mecs. Attends, avant de m'attaquer à la cible, je vais terminer cela. Voici notre problème. Oh! Vas-y, attaque. Oh, l'enfoiré. Aïe, non, 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 non. Soin, vite. Je sais pas par où il me tire dessus. Mais tu vas le regretter, poteau. Je peux pas bouger. J'ai loupé un peu mon shoot. Ça arrive à tout le monde. L'autre il vient de là-bas. Ok, montre-toi vieux. Ok, c'est bon. Plutôt réussi. Il y a des dollars à récupérer un peu de partout. Mais Osef, on va s'occuper de la cible. Charlie 4 doigts. J'arrive mon ami. Tu vas souffrir. J'ai des munitions à foison. On dirait qu'il s'est cassé les trouillards de mes deux. Attends, je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Salut! Voyons voir. Regardez ce que j'ai trouvé. On l'a calmé. Impeccable. Allez. Dodo! Alors, obtenir 1000 dollars maintenant, le tuer ou ajouter au trafic. Et ce qu'il y a, c'est qu'il sera du coup... Alors, soit c'est plus d'argent, soit il va aider son boss après, donc on va le tuer, tiens, pour changer. Allez. Et merde, salaud de Richie. J'ai jamais voulu ça. Fais pas confiance aux balances. Et voilà, toujours avec délicatesse, évidemment. Nouvelle cible. Par contre, j'ai un max de thunes. Faudra faire attention qu'on nous la vole pas. Allez, plus 30 000, informateur 2 000 dollars, ça nous fait 62 000. Belle augmentation, hein. Alors, marqueur, les dépenses pour le prochain appel aux associés de Cassandra seront prises en charge. Précision augmentée, Jean-Baptiste personnalisera les viseurs de vos armes, ce qui augmentera votre précision. Et yes! Ça y est, on va enfin pouvoir, les amis, avoir une amélioration. Et regardez! Donc effectivement, au fur et à mesure que ça rapporte, avec tel ou tel lieutenant, donc là, en l'occurrence, Cassandra, hein, c'est notre première, eh ben, on va pouvoir avoir des améliorations. Et ça, c'est hyper intéressant, encore une fois. Allez, un appel, ramenez les troupes. Envoie tes hommes à la première église baptiste. J'ai réglé leur compte au Dixie. Je t'envoie quelques-uns de mes hommes. Et... merci. Et le jeu est hyper nerveux. Je sais pas si on avait ces sensations de gameplay à la sortie. Mais en tout cas, maintenant, c'est hyper agréable, c'est fluide.
Tu vois, tu peux te dire qu'avec la visée qui n'est pas automatisée, du coup, parce que pour info, je le rappelle, mais je n'utilise pas d'aide à la visée, et je joue à la manette. Eh ben, je peux te dire que c'est génial. Merci de décliner votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien qu'en vous présentant devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits constitutionnels concernant le recours à un avocat et l'auto-incrimination. Oui. Et vous reconnaissez aussi qu'en comparaissant devant ce comité, vous acceptez de divulguer des informations concernant les événements survenus à New Bordeaux pendant l'été et l'automne 1968. Je serais pas là si c'était pas le cas. Vous étiez un agent de la Central Intelligence Agency. Entre 1953 et 1969, est-ce exact ? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam ? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ 2 mois à Saïgon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos, dirigée par la division des activités spéciales. Nous avons équipé et formé les Hmong, puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne, qui acheminait des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay, à ce qui deviendra plus tard le programme Phoenix. En l'espace d'un an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis, et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense... Putain, merde. Vous imaginez même pas ce qu'on pouvait faire à ces enfoirés. Bah je me doute. La violence. Bon, et ben voilà, trafic d'héroïne sécurisé. Ah, aujourd'hui, mine de rien, on a sécurisé 2 trafics, il me semble. Bah ouais. Tu es Richie Doucet, nouvelle mission principale. Et bah écoutez, on fera ça, les amis, la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, je me suis éclaté. Faudra parler à Cassandra avant de s'attaquer à la cible. Et là, on va vraiment s'occuper d'une grosse cible. Doucet, c'est vraiment le patron, tu vois, de cette première zone. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas, les amis, de mettre un petit pouce bleu. C'est toujours très plaisir, c'est la récompense. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et vive les jeux vidéo. Ciao, ciao.